Alors, je dis bonjour à tous. C'est la suite. Unboxing numéro 2. On en était avec ce merveilleux tarot, le tarot du pays des ombres de Monika Bodirsky. Voilà. Je suis toujours début d'après-midi, lundi 16. Je fatigue un petit peu, si vous le sentez, je suis désolée, mais j'ai préféré enchaîner la numéro 2 parce que après j'ai des choses à faire. Voilà. Donc, on en était par rapport à l'autre vidéo où on zioutait un petit peu. Tiens, je suis allée à la mort. C'est une de mes cartes préférées. Elle est magnifique. J'adore. Alors, qu'est-ce que nous avons par carte ? Alors, la mort, elle nous dit « Je suis l'ombre de la mort et j'aide les autres à reconnaître la fin d'un cycle pour qu'une nouvelle vie puisse démarrer. » Déjà, c'est super sympa. Donc, nous avons la carte. Donc, la petite histoire du corbeau. C'est un corbeau mort. Le mot-clé, transformation, naissance, nouveau départ, création, conception et entrée en paix. Mais j'aime bien ça aussi. L'ombre, stagnation, décomposition, conclusion, déclin, sortie, révolution, combat, se combattre. Ouais, ça c'est, voilà. Donc nous avons le message. Donc, qui est quand même assez long. Donc, c'est à toi de voir si tu veux te suffire des mots-clés et si tu es en état de lire tranquillement. Et puis, voilà. Mais ce que j'aime bien, comme dans pas mal de tarots, on le voit maintenant, c'est le côté réflexion. Quelle vieille habitude ou ancien schéma aimerais-tu casser, par exemple? Qu'est-ce qui me retient d'une transformation totale? Comment est-ce que je me sens par rapport à la mort et au fait de mourir? Ça, c'est une belle question. Mais alors, cette question-là, il ne faut pas se la poser quand on est en faiblesse ou en basse énergie, quand même. Hein. Qu'est-ce qui commence ou naît en ce moment dans ma vie? Ça, j'aime bien. Comment est-ce que je me sens par rapport au fait d'effectuer des changements de ma vie majeure? J'aime beaucoup aussi. Bon, bah, c'est plutôt sympa au niveau du bouquin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, ça, c'est pour les... D'accord. Alors, après, nous avons à la fin utilisation des cartes. Voilà, des petits conseils, méthodologie, se relier aux cartes et au pays des ombres, ça peut être sympa. Purifier, charger, ça, c'est ce qu'on veut en faire. Significateur, prévoir vos tirages, comment poser des questions, ça peut être hyper intéressant de comment poser des questions. Parce que parfois, on se pose des questions, mais on ne sait pas comment réellement les poser. Ensuite, on te parle des arcades mineures, éléments, direction, génial, la direction, il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça, mais bon. Couleur, ah, sympa, d'accord. Symbole utilisé dans le coffret, les mots-clés, d'accord, ok. Nous avons ceci, ensuite, qu'est-ce que nous avons? La numérologie. Alors, j'aime bien les interprétations brèves aussi. Hein. Bon, là, on est sur des choses un peu classiques, mais c'est très bien pour les débutants. Je suis désolée, mais il faut que j'aille boire un petit peu. Je reviens. Donc, me revoilà. Me revoilà. Alors, on en était, oui, aux interprétations. Bref, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Pourtant, il est pas mal hein, pour les débutants, en fait. Hein. Tu as
La numérologie, on en parle un petit peu de son système, de l'as au 10. Hop, les cartes de cours, l'inversion si on veut la travailler, comment battre les cartes, ça c'est voilà, hygiène spirituelle et environnement de tirage. Disposition des cartes, carte unique, oui, non, carte du matin, sympa, méditation du soir, pourquoi pas, voyage dans une carte, ça j'aime bien, plonger en profondeur, surtout qu'avec ces illustrations, à mon avis, il y a du voyage à faire. Hein. Alors, ensuite, des tirages proposés, vraiment, oulala. Voie d'intégration à 6 cartes. Disposition à 7 cartes. Ombre du passé. C'est bien. Chasseur de blocage à 9 cartes. Je pense que je vais me suffire. Et la disposition de la 13e lune. Me suffire de, bien sûr, des tirages proposés pour commencer. Hein, pour commencer à travailler avec. Et alors, les questions courantes. Ça, j'avais vu ça aussi sur les écrits des bouquins de Barbara Moore aussi, qui a ce système-là. Voilà, comme là, pouvez-vous changer votre destin si vous recevez un mauvais tirage? Et là, la réponse, à quel rythme pouvez-vous ou devez-vous utiliser les cartes? C'est des questions-réponses vraiment très sympas, on pourrait trouver certaines réponses propres à chacun. Et puis la conclusion. Bon, plutôt sympa, bibliographie. D'accord, ok. Bon, franchement, bien. Je ne vais pas vous lire derrière le bouquin et tout parce que ça pourrait vous agacer. Alors, nous allons passer. Oh, avons-nous? Non, c'est collé au fond, donc nous n'avons pas de finition à l'intérieur. J'aime beaucoup, jaune noir, hein, de toute façon ça va toujours très très bien ensemble. Ce que je ferai moi, c'est un petit ruban quand même, et puis il va garder sa boîte. Voilà, tranche dorée pour ça. C'est dommage, en fait, je trouve tranche dorée parce que, en fait, les cartes sont mates. Elles sont vraiment... voilà. On décolle un petit peu le jeu. Ça, c'est le truc. Voilà, un petit dos avec les chauves-souris. J'adore. Elles sont rigolotes l'année dernière. C'est l'année dernière, ça s'est passé en plein été hein, aussi. Une chauve-souris qui est restée 4 jours à la maison, coincée derrière un cadre. Voilà, on a réussi à la faire partir hein, grâce à l'association à laquelle j'avais téléphoné hein, pour leur expliquer et puis pour savoir comment faire pour pas qu'elle se fasse mal hein, parce que de temps en temps elle se baladait dans la maison. Alors nous ça nous dérange pas parce qu'on n'en a pas peur, mais ça va tellement vite que voilà. Et puis à chaque fois on essayait d'ouvrir la baie vitrée pour qu'elle sorte, mais elle ne sortait jamais. Voilà, mais on a réussi quand même. Voilà. Ça y est, c'est un petit peu collé. J'aime bien la qualité des cartes. C'est marrant parce qu'à l'époque où il était sorti, il y en a beaucoup qui se plaignaient comme quoi les cartes étaient fines. Bon, moi je les trouve souples, mais pas plus fines que certains jeux que j'ai. Voilà, donc notre chercheur, j'adore ce côté crayonné.
ce côté pointe de crayon hein, et puis coloré par-dessus. C'est vraiment voilà, ce magicien il fait très Frankenstein. J'adore cette alchimie. Bon, alors là, je crois que vaut mieux pas que je regarde en petit détail parce que ça sera pas 1h15, hein, mais ça sera 2h. Donc voilà. La grande prêtresse. Donc ça se travaille la nuit, hein, sa petite chauve-souris. On a son petit chat là à côté, tout discret, mais il est là quand même. Et puis elle est. Elle est dans son ancrage, c'est vrai. Hein. Mais elle reste pas tout à fait ancrée quand même. Hein. On sent qu'elle est un petit peu encore au perché, hein, puisqu'elle est posée sur son croissant de lune. L'impératrice, alors j'aime beaucoup la façon dont elle l'a faite. Où c'est elle? Voilà. C'est l'arbre. Je vais peut-être pas pouvoir assis. Voilà. Est-ce qu'on y va encore? J'aime beaucoup la façon dont elle est faite. Avec tout son savoir. Cette façon dont elle rend les choses abondantes, fertiles. L'empereur. Il me fait penser un petit peu, bon, sauf là, on voit le crâne, mais ouais, si tu enlèves ça, là, si tu enlèves ça, ça fait penser un petit peu à le cousin dans la famille Adams. J'aime beaucoup le hiérophante. Le hiérophant. Moi, j'ai hâte, en fait, finalement, de lire sur chaque carte le petit texte de pourquoi, du comment, pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi il a fait comme ça. Là, c'est pareil, les amoureux. J'adore. Le chariot. Donc là, il ne faut pas être, faut pas avoir la phobie hein, des araignées. Parce qu'apparemment, on les voit pas mal. Hein. La force. Ouais. J'aime beaucoup l'ermite. Je trouve qu'il est bien représenté. Oh, ça fait partie de mes cartes. De mes cartes préférées, la roue de la fortune. J'aime beaucoup parce qu'il y a ce respect hein, de ces personnages autour. Et puis, il y a tout ce qui est symbole. J'aime beaucoup la justice. Le pendu qui est mieux représenté par la chauve-souris, évidemment. La mort que j'aime beaucoup aussi. On voit ce corbeau, on parle un petit peu dans son texte, hein, ce corbeau décédé, ça c'est clair. Mais bon, cette transition là, voilà, le nid avec les œufs, donc on est reparti sur quelque chose, la tempérance. Chauve-souris squelettique, ces flammes, le diable.
J'aime beaucoup le diable. Où il est dans toutes les maisons, le diable. J'aime bien ce qui tombe avec le parapluie à l'envers. Sais pas si ça va bien amortir, plutôt sympa. Il y a plein de petits détails à voir avec la tour, ça va pas être facile. L'étoile, j'aime la façon dont elle est dessinée parce que moi j'aime bien quand elles sont dessinées comme ça, les étoiles, parce qu'on n'arrive jamais à faire, enfin moi personnellement, jamais je suis arrivée à faire une étoile impeccable. Voilà, et ouais, c'est souvent un son comme ça, mes étoiles, en fait. C'est drôle. La lune, là, j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'elle l'accompagne, mais elle la tient quelque part. Cette crevette ou ce homard, enfin non, elle le tient. Et puis ce squelette de loup qui remplace les chiens, normalement. Les arbres qui font le passage là, t'as le chemin, la petite maison, les montagnes, l'horizon. C'est plutôt bien fait. Alors, c'est un drôle de. On dirait un lama, hein, je pense. Il est très drôle en fait. On dirait un lama, je pense. À une, deux, trois, quatre, cinq, six, à huit pattes, évidemment. les soleils. Ouais, il est plutôt. Oh, j'adore. Alors, le discernement. Bien. Bien, bien, bien. Donc cette chouette avec ses cornes, on dirait des cornes de cerf. Et petite chaussette rouge, on va dire. Le monde. Voilà, c'est pareil, elle respecte bien sûr d'autres symboles, mais elle respecte. Hâte de voir. Alors, l'as de denier. Nous avons quoi là? On dirait une. Je sais pas, on dirait une attache là. Une boule, peut-être. Je ne sais pas trop. On va voir sur le bouquin ce qu'elle raconte. Le 2 de Denis, j'aime beaucoup. Avec les pyramides, les chameaux, bon, la momie, on est en Égypte, hein, là. Le 3, là, c'est un insecte. J'aime bien les cadres, là, c'est des petits points. Ça doit être une coccinelle, à mon avis. Ah, le 4, bien sûr, où elle garde précieusement ses gains. Le 5, hein, donc là, c'est le Yeti. Bah oui, qui est dans cette solitude. Ça fait de la peine en fait, hein. Tu le vois alors, dans cette solitude et là-bas, là, ils sont à le narguer en fait, qui est le plus mauvais là-dedans, hein. Cette légende où on pourrait avoir peur parce qu'il est grand. Sauvage, poilu et tout, plutôt que de ces chasseurs-là qui sont déjà là en train de faire le bazar dans la forêt
et qui n'ont aucun respect déjà. Alors, le 6. On s'échange des petites choses, j'aime bien. Voilà, Dracula contre fantôme. Le 7. Donc, on donne à manger aux plantes carnivores. Hein, voilà, pour que ça profite. Encore. Le 8. Oh, quelle création! Voilà, les crânes mexicains, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. À mon avis, il va tout vendre. Le 9, c'est rigolo, le 9, parce qu'elle s'habille avec sa cage. J'aime bien le symbolisme, en fait, le 9 en denier, prisonnier, quelque part, par le matériel, prisonnier par une espèce de valeur, on va dire, inventée par l'homme, mais conditionnée à ça, en fait. Donc le 10, alors là c'est des pentacles partout, c'est magnifique. Le valet, donc avec sa petite araignée, sa petite citrouille, et puis c'est parti à faire du porte-à-porte, je pense. Le cavalier, bon, qui lui arrive sûrement, mais avec beaucoup de lenteur, mais tranquillement. Voilà, il a fait les choses correctement. Bah, la reine, hein, qui n'a plus rien à prouver, elle sait comment on fait. J'aime beaucoup le roi. Je commence à avoir très très froid. Il va falloir que je remette le gilet. Je suis désolée. Ah, un petit peu pénible. Voilà. Bon, je pense que c'est la fatigue. Hein. On sait d'où ça vient. Voilà. Alors, l'as d'épée qui est magnifique. Là, j'aime beaucoup. La plume, voilà. J'adore quand c'est représenté comme ça. Ça fait vraiment tout de suite appel à ton intellect. Et puis, les choses qui sont vraiment propres à toi. Ta propre façon de t'exprimer, tes propres mots, écriture intuitive aussi, écriture pourquoi pas automatique aussi, hein, sur ce côté très spirituel, vu que nous sommes dans le monde, on va dire, un monde à part. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce choix. J'aime beaucoup aussi ce choix très pur, très mental. Voilà, c'est une maison, les épées, que j'aime beaucoup parce qu'on est très psychologique. Et en fait, pour moi, si le mental ne fonctionne pas, les choses ne suivent pas. Enfin, quelque part, c'est un peu ça. Si ton mental n'est pas là, tu peux pas recevoir les émotions, quelles qu'elles soient. Hein. Voilà. Si tu n'as pas l'épée, tu peux pas mettre en action les coupes. Si tu n'as pas l'épée, tu peux pas mettre en action les bâtons. Si tu n'as pas
L'épée, tu peux pas mettre en action les deniers. Pour moi, hein, c'est comme ça, hein, que je vois, à force de travailler avec le Rider, même avec le Tarot de Marseille, hein, je le comprenais un petit peu comme ça. C'est pour ça que des fois, ça me gêne quand je vois les épées en dernière position dans les maisons. Parce que même si on met le bâton, c'est l'action, il va en premier. Mais pour passer à l'action, il faut d'abord y penser. Faut d'abord. Voilà. Pour moi, l'évolution d'une personne, c'est avant tout. Dans le mental. Enfin, ouais, je le ressens comme ça. Et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé le Marseille, j'aimais pas trop les épées à cause justement de ce 3, à cause du 9. Mais au fur et à mesure où tu prends cette compréhension psychologique, tu te dis, de toute façon, psychologiquement, mentalement, tu peux pas prendre que ce qui est bon. Si tu penses mal, tu vas faire mal. Si tu penses bien, tu vas faire bien. Et donc, voilà, je l'ai pris après, mais vraiment en toute simplicité, et au fur et à mesure de l'apprentissage du tarot, je me suis dit, mais oui, l'épée, c'est mon avis, hein, c'est uniquement mon avis, hein, c'est la maison qui active les autres maisons. Voilà. Donc, le 5 d'épée, le 6, j'aime bien. Là, je pense qu'on doit être au Loch Ness. Je pense. Le 7 en épée, ces poupées un peu vaudou, c'est drôle. Le 8. Le 9, alors là, faut pas être la phobie des araignées, très cauchemardesque. J'adore, 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 j'adore. Le 10, bah voilà, cette poupée voilà, qui est piquée dans tous les sens, ce brouillard mental. Et c'est vrai que quand tu es bloqué mentalement, là, le 10, il prouve en fait que l'épée, c'est la base des actions des autres maisons. Si tu es bloqué mentalement, tu peux pas mettre en action. Tu peux pas mettre en action le reste. Le valet, cet apprentissage culturel, intellectuel, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Ce cavalier qui arrive en force, j'aime beaucoup. Cette reine d'épée avec sa bibliothèque, pourquoi pas une espèce de bibliothèque akashique aussi, hein. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas si elle a voulu faire, peut-être qu'on va le voir dans le bouquin, faire un coucou à The Ring, hein, pour ceux qui ont le cercle en français. Voilà, pour ceux qui ont la ref, mais quand elle sort de son puits, elle est un bout comme ça. Hein. Le roi d'épée, voilà, dans son savoir. J'aime beaucoup, 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 beaucoup.
Donc le bâton, l'as, voilà, bah ça y est, on est dans l'action. Ça. J'adore parce que ça chauffe, ça flambe de tous les côtés. Et puis c'est elle qui a allumé tout ça. J'aime beaucoup le 2. Donc le 3, alors j'aime bien parce que voilà, cette pieuvre qui regarde au loin ce voyage là, ça y est, c'est parti. Le 4. Ah, j'adore cette célébration avec les araignées. Et ici, le 5 en bâton, nous avons beaucoup c'est des hiboux avec des cornes, je pense que c'est ça, hein, qui en sortent de la tête. Ça, j'arrive pas trop à voir ce que ça pourrait être possible, peut-être. Des vaches, peut-être, je sais pas, ou des taureaux. Des squelettes. On verra ça dans le bouquin. Le 7 en bâton, alors là, elle est effrayante. Effrayante. Le 8. Ben voilà, hein. On est parti, on a toujours ce sens. Le 9, là c'est pareil, on continue. Le 10, j'aime bien le fait que ce soit représenté par une souris, où la souris a toujours été considérée comme un état de fragilité. Et puis cette petite lueur qui te dit tata, non, t'inquiète pas, il y a quelque chose de bien, tu vas peut-être te soulager un petit peu. J'aime beaucoup le valet, là c'est pareil. Cette action, on a encore ces bâtons qui donnent cette image, enfin se dire voilà, je suis pas perdue, hein. Et puis voilà, qui dit voilà, je commence. Je commence à travailler. Le cavalier de bâton qui arrive avec sa rose. Ça, j'adore. Alors, la reine de bâton qui est toujours si laide. Elle est impressionnante. Elle est gigantesque, cette reine. Le roi de bâton. L'as de coupe. Oh, j'adore toujours cette référence au poisson qui sort de la coupe. Le 2. Donc ça doit être des hippocampes, je pense. Voilà, qui se font un petit cocktail. Le 3, là c'est pareil, c'est le lien. Le 4, d'accord, on est dans cette solitude. Le 5, là c'est pareil, on est sur quelque chose de... un état d'être appauvri. Ah, le 6.
La famille, l'enfance. Le 7, j'aime bien les choix où il y a quelque chose dans les coupes parce qu'il y a des tarots où il n'y a rien dans les coupes et ça fait un manque. Il manque quelque chose. Le 8, bon, ben voilà, tu laisses tous tes poisons là. Hein, ceux qui t'ont mis dans cet état-là, et puis va chercher la lumière ailleurs, j'aime bien. Le 9, c'est, bon, je pense que c'est une baleine. Hein. Elle est trop drôle, cette baleine. Mais c'est une baleine, voilà. Il y a le bateau, là, au fond. Le 10, tiens, mon petit crabe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vignettes, je mets tout le temps un petit crabe parce que ben, je suis cancer, ascendant cancer. Donc voilà, c'est ma petite, ma petite signature. Oui, je sais. J'aime beaucoup le 10 de coupe, cet arc-en-ciel. Le valet de coupe, j'aime beaucoup. Le cavalier, c'est une sirène. La reine. Ce sont... Oh, le roi de coupe. Ce coquillage. Voilà. Bon, bah franchement, je suis vraiment trop, trop contente enfin de l'accueillir dans ma cartothèque. Et puis bah, contente de l'accueillir à temps parce que voilà, d'ici une bonne petite quinzaine, je vais mettre tout ça en action. Et je pense, vu que j'en ai pas beaucoup, honnêtement, j'ai pas beaucoup de jeux portant sur cette période-là. Mais c'est pas grave, parce que, bon, j'ai pas besoin de 36 000, quoi, j'en ai pas mal quand même, hein. Je suis en train de regarder en brassant, hein. J'en ai peut-être, allez, on va dire, quatre, si je compte les zombies, Beetlejuice, pas Beetlejuice, ah oui, il y a Beetlejuice qui sort en tarot, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors Beetlejuice, ben je suis une fan, bon, Tim Burton, tu me diras, hein. Et donc, bah, d'ailleurs, le film est sorti mercredi dernier. Bien sûr, on n'y a pas été. Ah, bah, c'est pas comme si le Covid s'était pas installé dans la maison. C'est pas grave. Et puis, bah, ils ont fait le. Bah alors, Marie, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait le tarot. Voilà. Et comme j'ai l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je pense que je vais prendre Beetlejuice aussi, mais ça sera uniquement pour la collection. Hein. Voilà, pour la nostalgie. Enfin voilà, oui, je dois en avoir une petite dizaine. Hein. Voilà, donc ils vont tous servir, bien servir. Allez, je prends celui-là. Nous avons notre reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit avec ce bâton? Valet, cavalier, reine. La carte, cette reine de bâton diffuse la chaleur partout où elle va. Sa taille et sa présence représentent la conscience de son pouvoir. Ça, j'aime beaucoup. La description. Son chat est un symbole d'indépendance et il est son équipe de sagesse. Bon, ben voilà, il n'y a pas grand chose pour la carte, mais ça suffit amplement. Ça rejoint très très bien. Bon, ben, j'aurais peut-être mis un petit peu les cornes quand même, qui pourraient représenter cette force justement.
en elle. Le mot-clé, c'est énergique, puissance, la présence, hein, l'instant T, quoi, hein, l'indépendant, chaleureuse, athlétique, confiance en soi et bien sûr la sagesse. Alors, au niveau du message, je ne vais pas lire parce que c'est beaucoup trop long. Mais là, on vous dit que ça peut représenter une personne extérieure qui va arriver sur ton chemin. Enfin, quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, mais ça peut être toi. Voilà, tout simplement, c'est toi à l'instant T où tu te sens d'énergie à accomplir un certain travail où tu gères un plein pot les choses nécessaires du moment. Hein. Voilà. Donc, ah, mais j'aime bien ici parce qu'elle met un petit peu l'âge aussi. Ça peut représenter une personne d'un peu plus de 40 ans, ce qui est un petit peu logique parce que les reines, de toute façon, ce sont des personnes qui ont acquis hein, une certaine sagesse, quelle que soit la maison. Donc, c'est vrai que en général, la sagesse, on la ressent entre 45, 50 ans, voilà. On est sur quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui a son caractère, voilà. Donc, ça c'est à peu près le truc. La réflexion qu'on pourrait avoir par rapport à cette carte, c'est où puis-je être le plus enthousiaste et plus ardent dans ma vie là, actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais penser des énergies que en ce moment non pas à l'instant T, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait trouver ce raisonnement en fait hein, par rapport à ça, surtout pour moi là en ce moment. Ou dire où est-ce que je pourrais trouver le plus d'énergie et d'enthousiasme. Eh bien, dans le repos, la tranquillité et, comme je disais, cette légèreté. Être dans la légèreté ne veut pas dire ne pas avoir d'énergie. Au contraire, c'est cultiver peut-être hein, une certaine énergie pour rester positif et fort. Pour moi, c'est ça. Est-ce que je me sens attirant? Ça, est-ce que tu te sens attirant? Ben là, c'est à vous de poser la question. Moi, je me sens toujours très neutre. Et ce qui est logique, c'est pas une plainte et c'est ni une espèce de réflexion à se mettre à être comment dire transparent, c'est parce que de pleine conscience en fait je suis pas genre à attirer à faire oui, à attirer comment dire les gens, enfin pour moi c'est quelque chose. Si j'attire une personne, c'est parce que c'est naturel et ça s'est fait comme ça. Voilà, je n'ai plus trop les mots. Désolée. Quelle impression est-ce que je laisse en entrant dans une pièce Je rigole parce que là à l'instant T, hein, si ma fille et moi on rentrait dans une pièce, ce serait « Oh !» Oh, mes pauvres. Ce serait un peu ça. Non, mais je réagis comme ça. C'est juste... voilà. Je ne suis pas en profondeur dans les trucs. C'est juste... Ben, si ça compte, l'instant T, c'est un peu ça. Voilà. Est-ce que je passe suffisamment de temps dans la nature avec les animaux? Alors, ça...
En ce moment, dans les bois, non. On les a évités pendant un bon bout de temps à cause des insectes, surtout les thons qui ont été, on va dire, assez abondants et pénibles, hein, parce que ça pique grave, hein, pire que les moustiques, ces bestiaux. Et en plus, ça laisse des marques et ça brûle et ça fait mal. Enfin bon, voilà. Donc la seule nature pour l'instant sur laquelle je me contemple, c'est les petits oiseaux sur la terrasse, voilà, gentiment. Est-ce que je crois en moi? Ça, j'aime beaucoup cette question-là parce que il y a des passages où oui, des passages où non, des passages où on pourrait même dire je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, je crois en ce que je fais. Voilà, tout simplement. Et j'en demande pas plus parce que j'aime bien que les choses se fassent tranquillement, petit à petit. Voilà, quand je découvre, eh bien j'aime bien comprendre, connaître, me mettre dessus, me concentrer dessus. Là, pour l'instant, non. D'ailleurs, petit message pour le tarot Pavlov, je continue, hein, il n'y a vraiment pas de souci, je continue, sauf que là, je ne suis pas en état, je suis pas en état de continuer à bosser, donc ça va ralentir un petit peu les choses, mais c'est pas grave, je continue. Voilà, donc il y aura une vidéo là-dessus. Bon, je le trouve plutôt très très sympa. Je suis contente d'avoir accueilli ces deux petites pépites et puis trouver la place où les ranger. Parce que là c'est pareil, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Parce que ça s'agrandit, donc j'ai été obligée de tasser les jeux et ça fait un petit peu bizarre. Il va falloir que j'essaye de revoir un rangement. Voilà. Bon, cette vidéo a peut-être été un peu plus courte pour vous. Tant mieux, hein. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et un très très bel automne parce qu'il est beau. Voilà. Moi, l'automne, c'est pluie ou soleil ou vent, mais voilà, c'est une très très belle saison. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!